étape s'élance de la régie communautaire des transports sur la route de la Madeleine, 150 km pour atteindre Sinnamary. Comme la veille, le peloton traverse le bourg de Matoury, direction le carrefour du Galion, avec un vent de dos bienvenu. Les coureurs, après 23 km de course, empruntent la RD5 pour en ressortir au bourg de Tonnade sur la RN1. Pas de difficultés majeures. Le passage par la petite route de Guatemala sera une nouvelle fois craint par tous. Après 13 km, le peloton retrouve la RN1, la montagne des Pères et le pont de Kourou, puis attaque la portion vallonnée entre Kourou et Sinnamary. Des petites bosses pas très accentuées mais usantes pour l'organisme. Cette étape est généralement terminée par un sprint massif mais aussi par des chutes. Souhaitons cette fois un beau spectacle sans accident. Arrivée prévue aux alentours de 12h30. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.